C'est prévu en vinyle. Là, on a des cassettes. Ça, c'est incroyable. On a des cassettes. Il fallait faire des cassettes. Puis on va sûrement avoir des CD aussi bientôt. Puis, oui, c'est dans le temps. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On a deux billets à faire tirer. Oui, on a une belle de billets à faire tirer ce soir en présence. Donc, restez là. Ça se passe dans les prochaines minutes. Vous allez être aussi, comme Gab, les témoins privilégiés d'un moment très fort à TKLL, puisque Jean-Sébastien Doré nous rejoint pour remettre le vote du public, meilleure émission choisie par le public à TKLL en 2020. C'est en effet le moment tant attendu de dévoiler quelle est l'émission qui a choisi le public 2022. Le vote était ouvert de mercredi dernier à aujourd'hui à 9h. La majorité des émissions de TKLL ont ouvert plusieurs votes. Je vois que la majorité d'entre vous ont partagé sur leur réseau et dans leurs émissions le fait que c'était le vote du public et le gala cette année. Et vraiment, la majorité des émissions ont eu des votes. Je vois qu'il y a eu une belle participation. Ouais. Je vais savoir commencer en faisant un petit 5-4-3-2-1. Les 5 émissions qui ont rameuté une belle gang, là, qui ont voté pour eux. Donc, en nombre de votes, en numéro 5, partout où on va avec Pamela Bisson et le machin. Wouhou! On peut les applaudir. Ils sont pas là ce soir, il y a beaucoup d'enfants. Le dimanche à 17h. Oui. Numéro 4, les geeks contre-attaquent avec What? La joie de ce côté. Le samedi de 14h à 16h, musique émission dédiée aux jeux vidéo et la culture geek. 3, les hypnotiseurs du son. Bravo! Désormais le mardi soir à 22h. Numéro 2, carte du monde. Emmanuel Doprado et Dominique Carnier. Merci. Et le numéro 1, M. Éric Bédard et Prescription Punk Rock. Bravo! Éric! Il est là! Bienvenue, Éric! On est sur la fin de l'émission, on t'attend! Éric, t'as gagné! Éric Bédard! T'as gagné, Éric! Bien vite! Félicitations, Éric! On fera la photo après. Un petit mot du gagnant parce qu'on doit vite conclure. Merci, sérieusement. C'est pas aujourd'hui, c'est pas moi qui gagne un prix, c'est le punk rock. C'est une scène qui a encore un tabou au-dessus. On voit peut-être pas le punk rock comme il devrait être, mais quand je pense aux plus grands bands qui ont marqué la scène rock, punk, je pense au Clash, je pense au Ramones, je pense aux Sex Pistols, aux NoFX de ma génération. C'est eux autres, c'est toute cette scène-là, la scène locale, la scène internationale. Les auditeurs, merci sérieusement, merci pour ce prix-là. Le choix du public, c'est quelque chose. Mais sans tous les animateurs, sans CKRL, ce serait impossible. Fait qu'une bonne fucking main à tout le d'avoir été là, tous les bénévoles de CKRL. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes au nom de toute l'équipe, des employés du comité de programmation, Jean-Sébastien Doré, directeur de la programmation musicale. Un grand merci pour ton travail ce soir. Toute l'équipe à la Corrigane, Jacques Boivin, j'ai une pensée pour toi. Et on se retrouve l'an prochain, le 11 janvier, 18h-20h, tous les mercredis à la Corrigane. Bonne main pour Jessica! Prenez soin de vous, on laisse la place maintenant à David Rocketchi pour Rock'n'Roll Planet. Bonne soirée tout le monde!